Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Star Wars Jedi Fallen Order. Et sans plus attendre, mettez-vous dans les bonnes conditions. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et let's go, on reprend exactement là où nous nous étions arrêtés. Allez, nous revoici directement dans le vaisseau. On devait parler... Non, on devait parler à personne, on devait juste choisir une toute nouvelle direction, évidemment, hey, et se barrer. Il n'y avait pas une épave gigantesque sur Zepho. Il y a peut-être un truc à en tirer. Eh ben, let's go. Se barrer Imagine directement. Qu'on peut aller sur Datomir. Sur Zepho? Attendez, c'est Datomir. Bien Zepho. Il est temps que je l'affronte. Oui. Tu es prêt à affronter ton passé. Okay. Et pour vous, Etrilla? Je ne suis pas sûr d'être prête un jour. Elle est partie où? Tu sais ce que tu dois faire pour commencer à guérir, et je suis vraiment... Je suis là pour vous si vous avez besoin de moi. Ah oui! Attends, elle était déjà en position, c'est quoi ces conneries? Bon, alors on se casse. Elle était déjà en position, d'accord, je sais pas, j'entendais la voix d'ailleurs. Très très bien, bon, on va attendre de pouvoir popper directement sur Datomir. Bah pourquoi il a parlé de Zepho? Assieds-toi, petit gars. T'as quelque chose à faire sur Zepho, hein. Il est temps de l'affronter. Je ne sais pas de qui il parle. On va voir ça très très vite. Ah, j'aime pas comment ça va tourner. J'aime pas du tout comment tout ça va tourner. Bien. Tout ira bien. Tu ouais. Peux parier sur ce qu'on va trouver comme truc affreux cette fois? Des morts vivants, des araignées géantes, des planteuses? Bon! J'ai besoin d'un instant. Alors, récupérer un astrium dans le tonneau de Cugette et utiliser l'holotable du Mantis. Très bien. C'est bon, nous voici donc sur Datomir et je dois affronter quelqu'un qui est exactement à l'autre fucking bout du monde. Ok, les gars. Eh ben, écoutez, direction, on retourne dans le temple. On retourne littéralement dans le temple, let's go. Eh ben, je vous dis à tout de suite. Hein, on va pas faire tout le chemin comme ça sert à rien. Je pense que ça ne vous intéresse pas. Let's go. Allez, on est arrivé devant le temple. Et regardez qui voilà. Une sorte de robot, un mecha, très bien, ça vient d'où cette connerie là? D'Achor, ok. 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 Très bien. Ah! Bien joué! Oh, bien joué! Ok, bien joué! Et qu'est-ce que tu branles? Ok, ça c'est très bien joué ça. Oh, c'est bien joué ça. Ça, c'est très bien joué ça. Bon, allez. J'ai besoin d'aide. Regardez, vous êtes prêts? Waouh, waouh, waouh. C'est fini pour toi. On dirait une gamine. Hop, ça dégage. Hein. C'est prêt? Allez, ça dégage. Hein. C'est fini pour toi ou moi? Zéro chance, vaincu. Ok, bah, va falloir qu'il pense à changer de pseudo. Parce que là, c'était pas fou, hein, niveau zéro chance. Let's go, bonjour, madame, monsieur, mes amis, mes amours. Que se passe-t-il par ici? Putain, presque le niveau sup, hein. Et ça, c'est bien dommage. Hein. Ok, une petite save, vous connaissez. Ah, j'étais à deux doigts de débloquer le lancer de sabre laser. Malheureusement, pas encore possible. J'espère que c'est pas la fin du jeu derrière cette porte. Ça me ferait chier. Pour être très honnête avec vous. Sans être beaucoup trop vulgaire. Maître. Tu as eu tort de revenir ici sans arme. J'ai une arme. Tu crois que ce sabre laser fait de toi un Jedi? Non. Être face à vous. Les souvenirs qui m'obsèdent depuis Braca. J'ai décidé de ne plus les fuir. Alors découvrons quel type de mort te réserve ton courage. Ok. Tu veux te battre? Ok, il est déjà beaucoup trop fort.
Très bien. Ok. Ok, donc totalement intouchable, ça fait plaisir. Roland. Ok. Impressionnant. Ok. Fallait juste que je fasse ça. Est-il la clé? Jamais je n'oublierai. Le passé est devenu une partie de moi. Je serai digne de vous. Et de votre sacrifice. N'oublie pas. La persévérance te montrera la voie. Ok. Eh bien, let's go. Bonjour, messieurs. Mesdames, messieurs, je ne sais pas. Messieurs. Alors. Ok. Attends, bouge pas. Oh putain, l'abruti. Quel abruti. Quel abruti. Ok. Eh, regardez ce qui va se passer. Ça va être littéralement incroyable. Lancer de sabre laser, c'est pour moi, les potes. Il était temps. On l'a attendu. On l'a attendu. Je préfère le faire maintenant au cas où. Mais vraiment au cas où. Ça va pas au pop de toute façon. Vous en faites pas, étant donné que j'ai pas save. Alors. Lancer de sabre laser. Lancer de sabre laser et lancer puissant. Donc c'est parti, maintenez L1 et triangle. On va enfin pouvoir lancer notre sabre laser, ça va être insane. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça va utiliser de la force, hein, on va pas se mentir. Donc ça va swinguer à ce niveau-là. Mais quand même, je vais peut-être pouvoir approcher un boss comme ça, ou lui faire des damages de loin. Oh, je vois, il y en a quelque chose ici. Non, va pas là-bas mon frérot. Ne nous emballons pas, parce qu'il y a quelque chose ici qui peut être très sympa. Je sais pas du tout si on est à la fin du jeu. Bien, ça cale, hein. Vraiment, mais vraiment bien joué de ta part, hein. Vraiment envie de te mettre des coups, cale, hein, comme ça, hein. Ok, on a quoi ici? Un petit écho? Let's go. Nous ne devrions pas être là. C'est un lieu maudit. Ok, on a quelque chose aussi de côté. N'aie pas peur. Tu dois tenir parole. Tu m'as promis de m'apprendre ta magie. Très bien, on a des bails chelous un petit peu partout. Ah, il est parti en couille de tout. Mes défuntes sœurs. Cet homme nous a promis notre revanche. À condition que je lui enseigne notre magie. Je regrette. Mais je dois m'allier à Malikos. Aïe, 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 la sœur de la nuit qui s'est fait trahir. Ça fait mal, ça fait mal. Malikos, quel salaud. D'accord, donc je suppose qu'on va devoir le doser, celui-ci. À mon avis, il va être très chaud. Hein. Il a le pouvoir de Jedi. Tu as choisi de revenir. Et le pouvoir des sœurs. C'est grave. Mais imprudent. Peut-être. Merine, c'est ça? Je m'appelle Cal Kestis. Tout ce qu'on t'a raconté sur les Jedi est faux. Si tu le dis, Cal, Malikos dit lui aussi des choses. Taron Malikos a peut-être été un Jedi, mais ce qu'il est devenu, je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas parce qu'on porte un sabre laser qu'on est forcément un Jedi. Alors quoi? Il garantissait la paix. Et ont été trahis par ceux qu'ils protégeaient. Ils ont été pourchassés par l'Empire et... je suis peut-être un des derniers Jedi.
était une enfant quand ils ont attaqué. Un guerrier de métal qui brandissait ceci s'est précipité sur nous et a exterminé mon peuple. Mes sœurs. Je me suis retrouvée seule. Avec les corps. Et Malikos est arrivé. Me promettant ma vengeance. En échange de tous nos plus précieux secrets. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Et Malikos a eu tort de s'en servir contre toi. On n'a pas besoin d'être ennemis. Tu en auras besoin. La voilà qui repart. Un guerrier de métal, vous savez à qui je pense ? Fichons le camp d'ici. Je pense à Dark Vador. Malikos est proche. Un guerrier de métal. Je ne peux pas. Il y a des vies en jeu. Quelle vie ? Des innocents. Des enfants sensibles à la force qui seront traqués et assassinés. Comme mes sœurs. Ok. Eh ben, elle a l'air bien gentille, finalement, cette sœur. Un petit écho par ici, on prend, hein. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Ça. Un massacre. Qu'à dire. Ils se sont entretués dans une quête de pouvoir. Alors. Tiens. Encore what? Merci, ma sœur. Bon. Eh ben, c'est parti, ça va swinguer. Bon, on fait quoi? Combat de Tekken ou quoi? Malikos. Bienvenue. Tu es venu pour t'entraîner? Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de risquer ta vie? Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard! Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leur tradition. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi. Ils n'ont plus aucun avenir. Comment peux-tu l'ignorer? Il faut penser au renouveau. Toi et moi. Nous pouvons bâtir autre chose. De bien plus grand. Non. Alors Datomir va devenir ton tombeau! Allez. Ok, d'accord. Domine-moi. Ok. J'ai besoin d'aide, BD. Tu ne me vaincras pas. Ok. Ah, tu es rapide. Vache. Très bien. Arrière, Jedi! Oh la vache! Ok! Ici, BD! Quoi? Ok! Donc si j'ai bien compris, faut que je le tape. Ouais, pas mal ça. Ok, faut que j'arrive à le taper pour épuiser sa barre blanche et ensuite seulement. J'ai survécu. Je vais pouvoir le dézinguer. Oh la vache. Je vais trop vite pour toi. Oui, c'est vrai. Ah, ok. Rapide. Ok, bougez pas, hein, vous êtes prêts? Ah, eue-moi, Kilo. Oh quoi? Beaucoup trop fort. Actine BD. Attends. Beaucoup trop fort? Ouah, chaud là ce que j'ai fait là. Très chaud. Très chaud.
J'ai eu tort de croire que tu pourrais m'aider. Meurs minable ! Tu n'as aucun droit d'Atomir. Aucun droit sur notre magie. Relève-toi, Cal Kestis. Ton heure n'est pas venue. Ok, ça va swinguer, bébé. C'est tellement stylé. Je vais trop vite pour toi. J'ai l'esprit vif. Okay. J'ai survécu à pire. Ok. C'est chaud. Je suis désolé, là, il va y avoir beaucoup de ok et de j'ai chaud, hein. Oh, c'est nouveau, ça. Ah, c'est rapide. Quelle technique. J'ai pas ça, moi, les gars. Attention. Trop fort. Bien joué, lui. Bien joué à lui, beaucoup trop fort. Oh là là, let's go, on est reparti. C'est pas grave, c'est pas grave. On retourne directement devant lui. C'était la première, il fallait que je comprenne. Que je me fasse bien déchirer. Est-ce que j'ai compris? Non. Bon, laissez-moi vous dire que ça commence à littéralement me casser les couilles. Ça va faire 10-15 fois que je dois réessayer. Je suis à une heure de record alors qu'il y a que 15 minutes de viable. Et ça commence à me gonfler, vraiment, il est beaucoup trop fort, c'est totalement ridicule. L'équilibre de la difficulté de ce jeu. Là, si j'y arrive pas, cette fois-ci, je sais pas ce que je vais faire parce que là, je commence à bouillir, vraiment. Ça doit faire 10-15 fois que j'essaye. Hein. Vous allez voir à quel point il est fort. Et vous savez, aussi, chose très importante... Comment dire ? Vous savez la demoiselle qui vient, là ? Eh bien, il faut savoir qu'elle est littéralement éclatée parce qu'elle loupe la moitié de ses sorts. Et c'est, ça commence à devenir très très chiant, hein. En fait, ma fenêtre d'ouverture est beaucoup manque de finesse. Trop petite pour pouvoir lui mettre suffisamment de dégâts. En vrai, là, je m'en sors pas trop mal. Là, je m'en sors vraiment pas trop mal. Tu es faible. Mais regardez la vie que je lui ai retirée alors que je lui ai mis deux combos quasi parfaits, quoi. Est beaucoup trop lent. Oh là là, et il a des sorts aussi, mais insane, vraiment. Il te résiste. Oui, bah je sais qu'il me résiste. Ça fait 15 fois que je me le tape. Oh là 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 là. Ah, tu es rapide. Ah ouais. J'essaye vraiment les cibles. Sur le côté, mais c'est pas évident. L'esprit vif. J'ai rien du tout, j'ai rien du tout. C'est trop, regardez. Un coup de chance. C'est trop, c'est ça. C'est trop, je sais plus quoi faire. On n'est pas assez fort. Ah ouais, non, mais ce sort aussi. Il est beaucoup trop chaud. Putain. Tu es pitoyable. Ah, tu es rapide. Là, il va récupérer toute sa vie, voilà. Je t'attends. Ok, j'ai réussi à stopper. Essaye pour voir. Ah, ce sort aussi. Ouais, ça commence à me casser les couilles. Regardez, il récupère toute sa vie, c'est ridicule. Et je me demande s'il n'y a pas un bug. Oh là là.
Tu ne me vaincras pas. Je me demande s'il n'y a pas un bug, hein, vraiment, hein, parce que... Ça va, juste pas. Là, normalement, il y a la demoiselle qui va arriver, mais elle jette tous ses putains de sorts à côté. Ça pénètre... Sa fenêtre d'attaque, regardez! J'ai trop peu de temps pour attaquer, c'est horrible! Putain, c'est plus drôle là! Voilà, il a tout récupéré, c'est ridicule! Réellement quoi! Ça donne même plus envie de jouer, ça dégoûte! Je suis désolé de m'énerver, mais c'est n'importe quoi, regardez! Il te laisse pas deux minutes! Un coup de chance! Quel coup de chance, enculé! Putain, mange tes grands morts aussi, toi! Oh là là! Ouais, forcément, forcément, il fait son meilleur coup! Oh non, 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 j'ai plus de quoi faire le combo, alors il a pas voulu attaquer. Oh, quelle erreur. Ok. En fait, le problème, c'est que quand il a... J'ai survécu à pire. Quand il a un seul de vie, si vous voulez. Aïe 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 aïe. Ok. Ok, 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 c'est pas mal ça. J'ai réussi à coup de cœur. Oh, c'est pas mal. Un coup de chance. Oh oui. Oh putain, j'ai cru qu'on allait jamais y arriver. Oh my god! Qu'est-ce que c'est? Vous aviez raison, Malikos. Datomir sera votre tombeau. Laisse-le dans les ténèbres avec ses secrets. Jusqu'à ce qu'il en meure. Pourquoi tu m'as aidé? Pour délivrer Datomir de ce parasite. Oh putain. Que fais-tu vraiment ici, Cal Kestis? Ceux qui ont bâti ce tombeau, les Efo, ont créé un objet qu'on appelle Astrium. Il ouvre un sanctuaire sur une planète lointaine. Et à l'intérieur se trouve une liste d'enfants sensibles à la Force. Mais l'Empire aussi est à sa recherche. Quel Empire? Eh bien, l'Empire. Celui qui cherche à exterminer les êtres sensibles à la Force pour asseoir sa domination. Alors il arrivera bientôt sur Datomir, comme la guerre avant lui. Je t'aiderai à trouver cet Astrium. Ok. Merci de m'avoir aidé avec Malikos. J'ai cru que j'allais y passer. Ah, on y est passé. Tu allais mourir. Ouais. Heureusement, ce n'est pas le cas. C'est bon d'avoir un allié. Ouais, ça me plaît bien aussi. Mais de rien, Cal. Ouais, mes grosses couilles. Mes grosses couilles, je me tire. Oh là 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 là, quel enfer, on va méditer. On va méditer. Pouh. Plus jamais. Plus jamais. Mais c'était horrible, j'ai clairement pas passé un putain de bon moment. J'ai littéralement pris ce qu'on peut appeler plus communément ma race. C'est terrifiant. Ok, qu'est-ce qu'on a là? C'est les enfers? Qu'est-ce qui se passe? Au point où j'en suis, let's go, hein. Plus rien à cirer, hein. Oh, c'est beau. Sugoi. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi ça, mon bro. Ah, j'ose même plus avancer, c'est terrible. Ok, qu'est-ce qu'il va me donner celui-ci? Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a là? On l'a enfin trouvé. Alors il existe. Meryn, c'est peut-être la clé de la nouvelle génération de Jedi. Je me réjouis pour toi. Et tes Jedi.
Il n'y a rien qui puisse me ramener les miens. Oui. Juste après la purge, je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'étais caché, j'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais, ou ce que j'étais. Qu'est-ce qui a changé ? Un très bon ami m'a conseillé de partir et de trouver ma place dans la galaxie. Et tu l'as fait ? Non. Mais... la vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Je suis là désormais. Contre toute attente. Te pousser vers l'avant. Je viens avec toi. Ah bon? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Mais j'en ai terminé. J'aimerais me battre à tes côtés. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais... les survivants doivent s'adapter. Ouais. Ouais, t'as pas tort. T'en penses quoi, BD ? Je suis d'accord. Par contre, on va devoir aussi convaincre le reste de l'équipage. Alors on fera ce qu'il faudra. Ok, et ben écoutez, une nouvelle. Rejoint groupe, très bien, elle est stylée en plus, hein. Franchement, elle est grave stylée. Hein. On va pouvoir se tirer. Bon, c'était... putain, c'était showtime quand même, hein, tout ce qui s'est passé. Hein. C'était ouvrir le sanctuaire ancien sur Bogano. C'était assez terrible, mais on a réussi, et c'est le principal, et évidemment, regardez ce qui nous attend. C'est pourtant évident. Oh là 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 là. Bon, on se rejoint directement devant le vaisseau pour éviter de perdre trop de temps. Je sais même pas combien de temps de record j'en suis, parce que moi, c'est affiché 1h10, ça fait vraiment 1h10 pour le coup. Tout à l'heure, que j'essaye de faire ce putain de boss. En effet. Bon, je sais qu'il y avait quelque chose de caché là-haut, donc on va y aller. J'ai envie de vous dire, ça mange pas de pain, normalement, si tout va bien. Ok, on a un boss. Très bien, ça. Très très bien. Ok. Ok, ok, ok. On va y arriver assez facilement. J'ai un petit boss, petite quête annexe. Ok, ok, très bien. T'es énervé ou pas, mon gros? Il est énervé, c'est normal, je comprends, il est énervé, mais on est tous un peu fâchés. Voilà. C'est bon. Eh ben écoutez, Nadak Alpha vaincu, aucun problème. C'était un beau boss, c'était un très beau boss. Bon, qu'est-ce qu'il donne le bro? Allez, il m'a donné un point de compétence, on va pouvoir améliorer... notre lancer de sabre et le rendre encore plus puissant, ça c'est plutôt cool. Oh. Eh ben, hé. Oh, oh, oh. On a eu chaud, enfin. Ok. Par ici. Alors là, je sais pas du tout comment on va rentrer. Incroyable, BD, là, tout ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ? Totalement dingue. Il me surprendra toujours, BD. Nouvelle apparence. Très bien, on peut rien faire ici. Un autre coffre, ok. Vas-y, BD. Tu t'amuses bien là-dedans. Nouveau matériau de tenue obtenu hors la loi. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas trop mal tout ça pour deux coffres. J'ai envie de vous dire, rendez-vous au vaisseau. Oh! Oh, regardez-moi ça! Oh, regardez-moi ça!
Non, 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 pas rendez-vous au vaisseau tout de suite, hein. J'ai jamais été aussi heureux de voir une caisse. Incroyable, encore un Steam en plus. Mais non, c'est abusé. Merci, BD. 6 Steam, c'est totalement cheaté. C'est cheaté, c'est mérité. Voilà, un homme heureux. Un robot heureux. Et ben voilà. Bon, ça m'a coûté cher, tout ça. Capsule Steam obtenue. Très, très bien. Allez, nous voici enfin au vaisseau. C'est parti. Direction notre prochaine destination. Quel plaisir, j'ai envie de vous dire, même si c'était assez terrible quand même, ce petit combat final. C'était très, très chaud. Tu l'as trouvé. Eh oh, qui c'est celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire que je viens avec vous. Serré, Grise, voici Mérine. Je rêve ou c'est une sorcière? Une sœur de la nuit. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je n'aurais pas trouvé l'Astrium sans elle. Elle m'a aidé à battre Malikos. Je lui fais confiance. Et on te fait confiance. Toi, tu devras faire tes preuves. Ok, très bien. Tu peux t'installer. Et n'essaie pas de nous la faire à l'envers. Bienvenue à bord. Il t'aime bien. Je comprends pas ce que tu dis. Et ben voilà. Bonne chose de faite. Bah on va où maintenant avec toutes ces conneries là, bordel? Tu penses qu'on va trouver quoi? Je sais pas où aller moi. Ok, faut aller où? Faut aller ici. Direction Bogano. Allez. Incroyable hein. Okay, ça fait que swinguer hein. On fait que de voyager là. En quelques épisodes. Ça sent qu'on s'approche tout de même de la fin. Bien. Alors au cas où personne te l'aurait dit, c'est mon vaisseau, c'est moi le capitaine. Et je dirais même, un des meilleurs. Alors, c'est moi qui fixe les règles. Règle numéro 1, tu tâches le canapé, t'as plus qu'à t'en aller. Règle numéro 2, à moins que t'aies 4 bras, le siège du capitaine, tu ne prendras pas. Règle numéro 3, tu veux cuisiner, tu me laisses te surveiller. Règle numéro 4, si ça devient trop bruyant, tu n'as pas le choix, tu descends. Grise, c'est bon. Bah quoi? Elles sont en vigueur depuis qu'on a embarqué le petit gars. Ok, il se passe quoi là maintenant? On va sortir de l'hyperespace. Allez, c'est parti, on arrive! Ça va fonctionner? Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Eh hey, oh, est-ce que vous avez faim? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. Oh, C'est la vérité, Grise. Ah, merci. Eh, hey, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste? De quoi tu parles? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas les mettre en danger? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Ah, changement de plan, on est presque arrivé. Oh, Grise. Ouais? J'aime mon steak très saignant. Ok, ça je sais faire. Allez, nous voici arrivés à Bogano. Il est temps de voir un petit peu ce que ça va donner. Oh, de retour sur notre toute première planète, ça va littéralement swinguer. C'est moi qui vous le dis, on a 6 teams, c'est insane pour le coup. Et je pense qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, et je vous dis à très bientôt, évidemment, pour la suite de notre aventure. On ira parler un petit peu à tout l'équipage, mais on fera ça lors du prochain épisode. Bisous tout le monde! Ciao, ciao! Hey, petit gars, merci pour toutes les graines, mais il y a encore plein